Les amis, souvenez-vous, la dernière fois que nous sommes allés sur Amanda the Adventurer, on avait réussi à trouver une cassette secrète, mais on n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout. Et ben cette fois-ci, les amis, je crois bel et bien que j'ai trouvé la solution. Les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est reparti sur Amanda the Adventurer. Ça vous avait beaucoup plu, franchement, la dernière fois que j'étais retourné sur Amanda the Adventurer, déjà l'épisode 1, vous avez vachement plu de ma découverte sur Amanda the Adventurer. L'épisode 2, vous avez extrêmement plu, encore plus que l'épisode 1, et cette fois-ci, jamais 203 comme dirait le dicton, nous sommes repartis sur Amanda the Adventurer, et cette fois-ci en fait, la dernière fois, le problème c'est que j'avais essayé de marquer Amanda, j'avais essayé de marquer Help Me, j'avais essayé de marquer plein de trucs, et au final, j'avais juste pas la bonne version. Voilà, ça ne pouvait tout simplement pas marcher parce que j'avais pas la bonne version du jeu, ils ont fait une mise à jour depuis, et en fait, j'avais pas eu l'ancienne fin avec la cassette VHS, tout ça. Bref, vous allez voir dans cette vidéo, les amis, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, Wissam, qu'est-ce que tu veux nous dire? Des actes vaut mieux que des paroles, je sais pas si c'est l'expression, mais en tout cas, on est parti sur Amanda the Adventurer pour trouver une cassette secrète, les amis, et quelque chose de caché. On va bien voir tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts parce que ce jeu, il fait vraiment très peur. C'est parti, let's go. Les amis, nous sommes directement sur Amanda the Adventurer, donc on va refaire. Alors, au final, c'est à peu près la même manip que l'autre fois. On va refaire l'épisode 1, on va refaire l'épisode 2, et c'est à la fin de l'épisode 2 où je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour bien débloquer la cassette secrète et avoir le truc VHS, etc. Tu es Amanda. Tu es Woolly, ça je le sais, ne t'inquiète pas. Ça c'est vrai que, putain je m'en rappelle mais ça faisait vraiment peur. Donc ça je vais mettre un yes, vous connaissez. Oula, j'étais en majuscule, j'étais en mode yes avec un majuscule. Déjà Woolly fait vraiment, déjà le pauvre il fait de la peine genre. En mode on voit qu'il est pas content d'être là, on voit qu'il a été forcé. Est-ce que tu sais où est le store? Mais bien sûr ma petite poulette, je sais très bien où est le store. Elle est là. Non je rigole, il est pas là, ça c'est le soleil, ça c'est Michel le soleil. Voilà, c'est un ami à moi, il s'appelle Michel. Si vous voulez aller lui passer bonjour, il est dans le ciel là. Vous avez juste à regarder en haut, il est dans le ciel. Bref, on va sélectionner le magasin d'Apple. Et on va sélectionner une pomme, bien évidemment, avec Woolly qui nous demande. Ah non, c'est Amanda qui nous demande d'écrire Apple. Donc on va écrire Apple, voilà. On va pour l'instant rester gentil entre guillemets. On va pas la contredire ni rien. On va faire le truc normalement. Putain, j'en ai encore des frissons. Voilà, donc on a fait la cassette numéro 1. C'est allé assez rapide, mais au final, il n'y a pas grand chose à faire sur la cassette numéro 1, si ce n'est que juste faire tout simplement la cassette numéro 1. Et regardez, au-dessus de ma tête, il n'y a plus le cadre comme la dernière fois. Avant, il y avait un cadre juste ici. Et bah, c'est parce que c'était la nouvelle version. Mais ça, du coup, c'est l'ancienne version que j'ai. Et peut-être que je referai encore une vidéo pour faire une ancienne version, vraiment la toute première version qui a été sortie de Amanda the Adventurer le jour J. Parce que celle-là, je crois que c'était une mise à jour de l'ancienne version. Mais celle que j'avais joué avant, c'était une mise à jour d'une mise à jour. Voilà. Bon, vous avez sûrement mal à la tête actuellement. Mais du coup, ici, il y avait bien normalement un cadre, et là le cadre n'y est pas, enfin il y a un bout de cadre, mais je veux dire avant il y avait carrément un cadre où on pouvait voir une personne qui tenait une autre personne par derrière, voilà tout simplement qui l'enlaçait. Bref, nous ne sommes pas là pour blablater les amis, on va directement appuyer sur la cassette l'épisode numéro 2 et on va la mettre directement dedans pour avoir, ah oui, le fameux Woolly. You, ok, we don't have, on n'a pas beaucoup de temps. Vraiment, dans tous les cas, ne fais pas. Et bip, et voilà, ça c'est sûr et certain. Je suis Woolly, hey, hey. Putain, Amanda, j'en suis sûr, tu le forces, Woolly. Woolly est forcé d'être là, ça fait vraiment flipper. Et d'ailleurs, j'avais aussi regardé des vidéos sur un petit peu les secrets de Amanda. Et quand il y a des espèces de glitch, des moments où genre ça glitch dans le jeu, et ben si on met sur pause au bon moment, on peut voir qu'il y a des personnages, des trucs comme ça. Donc ça, à mon avis, ça sera une prochaine vidéo que je ferai, les gros secrets de Amanda the Adventurer. Enfin, les secrets un petit peu bien creepy comme il faut. Donc on va sélectionner la charcuterie, enfin le magasin de viande, hein, si je peux me permettre. Et là, oh là 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 là, là c'est tellement flippant, c'est super creepy. Oh là là, mais regardez sa tête là, il louche, il est comme ça. Il a ses yeux qui boum, qui sont comme ça. Ça fait vraiment flipper. Donc c'est ici, les amis. Du coup, c'est ici. Ici, faut bien mettre lamb, ce qui veut dire jambon en anglais. Et faut le mettre deux fois. Parce que moi, la dernière fois, je crois que je l'avais mis une fois. Mais là, faut bien le mettre deux fois. Et je crois qu'une troisième fois, je vais mettre lamb, mais il va mettre meat. Voilà, ça c'était sûr et certain. Et du coup, on avance le jeu. Et vraiment flippé, hein, comme d'habitude. Là, il va couper la fameuse viande. Et c'est ici, maintenant, les amis, qu'on va pouvoir tout simplement débloquer la nouvelle cassette. Et c'est ici qu'on va pouvoir tout simplement marquer la fameuse écriture. Enfin, on va pouvoir marquer Amanda, je crois. C'est pas Help Me, c'est bien Amanda qu'il faut mettre. Donc, la cassette est bien débloquée juste ici, comme ceci. Et nous, on va pouvoir. Donc, vas-y, vas-y, dégage la cassette numéro 2. Et on va pouvoir, du coup, mettre la cassette cachée qui est entre la cassette numéro 2 et entre la cassette numéro 3. Ça serait trop drôle qu'il y ait une cassette numéro 4. Et regardez, c'est juste ici, la
dernière fois on n'avait pas eu ça. Ici on a une photo d'une maison, alors j'espère que c'est pas votre maison. Et ici ils vont nous laisser marquer ce qu'on veut, parce que la dernière fois dès qu'on marquait quelque chose, que je marquais Amanda, que je marquais Help Me, il y avait des écritures partout. Et après on avait une sorte de mini screamer du gros monstre de Amanda The Adventurer. Mais cette fois-ci je vais pouvoir marquer Amanda. Voilà, et regardez ce qu'on a là. On a une photo de je sais pas quoi, d'un arbre. Et là, je vais remettre encore une fois Amanda et regardez comment c'est méga creepy, putain, avec de la viande rouge comme ça. Et encore une fois, ils nous disent de marquer quelque chose. Et là, je crois que on doit marquer. Attends, si je mets. Attends. Putain, merde, je me rappelle plus. Amanda. Si je remets Amanda, je pense que c'est pas le bon. Je vais essayer de. What? Je voulais marquer Amanda. Oublie. Ah, ça marque tout seul. Oh, what? Je m'attendais pas. En fait, là, j'allais vous dire, j'hésite entre Amanda et j'hésite entre Wooly. Mais voilà, voilà. Vous avez vu sur la télé, quand il y a des glitches comme ça, quand vous mettez sur pause au bon moment, vous pouvez voir des images, etc. Donc, bref, nous, on va aller sur l'épisode 3. Parce que la dernière fois, on pouvait pas mettre l'épisode 3. On avait fini le jeu quand on mettait la cassette secrète. Et cette fois-ci, on peut mettre l'épisode 3. Et j'aime pas ce moment parce que ça fait vraiment très flipper. Voilà. Oh là là. Let's go home. Ouais, ouais, t'inquiète. Ma carte de door. Ok. Ok. Merde, le dehors, ouais, t'inquiète. Eh ben non, la fenêtre. Non, ne finis pas. Et là, on va avoir, malheureusement, le screamer. Ça toque. Juste là. Ça toque, pas chez moi, hein. Ça toque bien dans le jeu. Ah, et là, je vais mettre, attends. Je crois que, attends, merde, je crois qu'il fallait mettre Wooly, je crois. Et voilà. Voilà, c'est exactement ce qui s'était passé la dernière fois avec la cassette secrète. Voilà, et là on avait ce screamer. Et bah c'était exactement ça, et là c'était fini. Bah voilà, et bah au final les amis, voilà, on aura découvert la fameuse cassette secrète. Et cette fois-ci, on l'a découvert bien en entier comme il faut. Et franchement, j'ai envie de vous dire que, et bah c'était totalement muy caliente. Amanda The Adventurer, ne t'inquiète pas, on va revenir pour débloquer encore des nouveaux trucs cachés, ne t'inquiète pas. Bon et bien voilà les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bah écoutez, j'ai passé un bon moment sur Amanda The Adventurer. J'étais très curieux de savoir ce qui allait se passer après putain, je suis en train de m'étouffer. Ce qui allait se passer après, enfin sur la vraie cassette secrète. Parce que, encore une fois, je le répète, mais la dernière fois que j'avais fait une vidéo sur la cassette secrète de Amanda The Adventurer, j'avais fait l'espèce de mise à jour qu'il y avait. Et au final, il n'y avait pas énormément de trucs. On voyait juste un écran Google Maps avec, je crois, un cercle tracé au stabilo. Mais c'est tout, il n'y avait pas grand chose de plus. Et après, il y avait l'espèce de screamer qu'on a au final à la fin du jeu Amanda The Adventurer. Donc là je suis content d'avoir fait la cassette secrète avec plusieurs trucs en plus. Franchement je suis refait, voilà. Même si c'était vachement creepy avec les morceaux de viande etc, c'était vraiment super creepy. Bref, ceci étant dit les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, je lis absolument tous les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner et activer la cloche de notification, parce qu'il y en a plein qui me regardent qui ne sont pas abonnés. C'est sûr que quand j'ai 6000 abonnés, d'ailleurs merci beaucoup pour les 6000 abonnés, mais quand j'ai 6000 abonnés et que je fais 20000 vues, c'est impossible que tout le monde soit abonné, ou alors ils l'ont vu 3-4 fois, hein. C'est sûr et certain. Bref, il est temps pour moi de vous laisser là les amis. A plus pour une prochaine vidéo. C'était WizFarm, gros bisous, à la prochaine. Ciao ciao.